entend Fernandez Llobé qui encourage en version originale en argentin. Herrera demande une faute et va l'obtenir. Attention, oh oui. Non mais cocotte, c'est bien, mais après faut pas se sauver. C'est-à-dire c'est la problématique. Allumer la mèche, oui. Et là il y a du lourd, du répondant. Mazoé. Mazoé, c'était quand même pas le bon cheval hein, sur lequel miser. Ah non, pas là. Pas là, pas en ce moment. Non, pas aujourd'hui. Et ça, Mayol aime bien. D'accord. Alors je vais vous expliquer. Ça a réveillé le public. C'est ça, ils étaient un peu endormis parce que le score est fait. En tout cas, le match est... Non, non, non. Les gars, à un moment donné, il va falloir que vous arrêtiez de parler. Il va falloir que vous arrêtiez. Je peux parler ou c'est vous? C'est bon? Alors, c'était pénalité pour vous. OK, le gaucher délié. Sur ce, lui, il vient pousser le joueur alors qu'il n'y a pas lieu. OK, de le pousser. Donc, ça sera pénalité retournée. Vous allez à 10. Mais lui, il garde le ballon volontairement, c'est pas pénalité. Oui, oui, d'accord. À 10 mètres, monsieur. Disciplinez-vous. Ici. Ballon, ici. Non, non. Posez le ballon, monsieur. Posez le ballon, monsieur. Merci. Alors c'est Alexandre Mini, le gaucher toulonnais, qui avait été pénalisé dans un premier temps. Et on a vu le geste d'humeur de Réré Cocotte. La pénalité retournée. Voilà, donc Mazoé là revient et Cocotte, voilà, petite esquive rotative, mais c'est légitime, on aurait tous fait pareil. Approximative, même si Johnny Bitty a remis son équipe dans le sens de la marche. Il y a un peu plus d'avancée en tout cas, effectivement, côté CO. Et là, des solutions Corman de surnombre. Corman qui a envoyé balader Armitage. Dans le sens. Dans l'axe, Dumora insiste. Un mètre de l'embut. Cocotte. Encore du surnombre. Va vouloir se le faire. Et oui, il l'a senti. En finale du top 14. Et puis surtout, il a failli signer à Toulon. Avec ce feuilleton. Viendra pas. Il viendra pas. Est pas venu et c'est vrai que les supporters n'avaient pas vraiment très bien pris déjà. On suivra tout à l'heure à Grenoble comment auront réagi les Auvergnats. Cocotte qui s'échappe, ouais, c'est bien fait. Lamera, mais attention, Lamera, super et Cabane qui va accélérer, Cabane qui va marquer en deux temps, transformé par Julien Dumois à la percée de Cocotte. Là il y a un joli numéro de passe aussi dans la défense pour Lamera d'abord, qui d'une passe volée dans le dos envoie son compère du centre Romain Cabane finir. Toute la hargne de Matt Guiteau n'y suffit pas. Et c'est logique.